Les amis, vous aviez peut-être suivi l'hiver dernier dans le cadre d'une collaboration avec Berroca Energy. J'avais été mise au défi de faire un semi-marathon. Défi réalisé avec succès. Et à l'occasion de la rentrée, on m'a donné carte blanche pour trouver un nouveau défi après avoir suivi 30 jours de programme. Et donc, j'ai réfléchi et je vous ai inscrit avec Benoît à une course à obstacles à Toulouse, tous les deux. Donc, je vais vous partager tout ça. Du coup, pour me préparer pour ce nouveau défi, je vais évidemment m'accompagner de Berroca Energy pour faire le plein d'énergie physique et mentale sur un programme de 30 jours. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des compléments alimentaires à prendre sur 30 jours qui vont vraiment aider à garder le rythme, à avoir de l'énergie toute la journée. Franchement, ça marche super bien. Je vais vous mettre toutes les infos juste ici. Je vous montre. Regardez. Là, je l'ai sous forme effervescente à l'orange. Je sais qu'il existe aussi en saveur cassis, pour ceux que ça intéresse. Alors, pour ceux et celles qui voudraient débuter en même temps que moi, qui veulent se remotiver pour le début d'année ou quoi, j'ai un code promo à vous partager. Je vous le mets juste ici. Ça vous donne une réduction de 4 euros. Je vous mets le lien juste là, de toute façon. D'abord, on fête le moyen. On fait la fête parce que t'es un moyen. Petit. Attention. Ah, là ça va. Attention. Attention! Attention! T'es trop concentré là. Ah voilà, on a perdu là. Bravo mon Jojo. Regarde, j'ai fait ça, papa. Regarde. C'est parfait. Continue. C'est magnifique, mon amour. Et papa, et toi? Je suis en train de faire le rouge. Tu sais comment il s'appelle, le rouge? Non. Donatello. Raffaello. Et lui, papa, le bleu. Donatello. Et lui, c'est trop lui. Joli, Julian. Michelangelo. Toujours de la pizza. Toujours. Oui. Tu continues? D'accord. Je vais faire... De toute façon, il te reste que le vert. Vrai. Et après, je refais vie. Allez. Et après, je me l'ai écrit. Je me l'ai écrit, papa. S'il te plaît. S'il te plaît. Pourquoi tu pleures, Julienne? Julienne, pourquoi tu pleures? Fais voir. Attends. Ça, tu penses que c'est pas vert? Mais non, si. Non, ça, c'est pas vert. Est-ce que c'est la bonne couleur? Ah ben oui! Regarde, c'est vert, Juju. Tu crois que je te mens ou quoi? Mais... J'ai dit promis. Mais ça, c'est des baisses. Non, c'est orange. Regarde. Non, c'était bien ça. Mais en fait, tout le orange, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs là. Non, c'était bien ça. C'était beige, mais ça, c'est... Julien, est-ce que c'est la même couleur que son bandeau sur non, la tête? Non, ça, c'est beige. Et en haut? Ça, c'est beige. Et en haut? Parce que t'as fait un point. Mais c'est pas grave, parce que c'est juste le feutre qui est tombé. Ce n'est pas grave.
Je vous explique. Il a commencé à faire son nouveau dessin. Sauf que le feutre, il est tombé, ça a fait un point rouge ici. Et du coup, c'est le drame. Donc, il a commencé à crabouiller comme ça. Et il a fait pareil avec ce magnifique dessin qu'il a fait. Ici, il a dépassé un tout petit peu. Tout petit peu. Et du coup, il a commencé à tout raturer parce qu'il était trop énervé. Julian, c'est pas grave de dépasser, mon amour. C'est pas grave. Et là, t'as même pas dépassé, t'as juste fait tomber le feutre. Pourquoi t'as pas continué? Pourquoi t'as pas continué? Il était très beau. J'ai tombé mon feutre. Oui, mais c'est pas grave de faire tomber le feutre, Joujou.